Bonjour. 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 Alors c'est Solidaires d'abord, on a plein de sujets comme à chaque fois parce que on vit une époque absolument formidable. D'ailleurs, tenez-vous bien, on va encore plus loin dans l'énormité. En ce moment, on va avoir le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui est jugé pour prise illégale d'intérêt, en gros pour corruption, quoi. Chercher l'erreur, hein ? C'est pas mal comme truc. On va avoir une loi sur l'immigration où le Premier ministre, Madame Borne, et le ministre Darmanin ne sont pas d'accord sur un article, par exemple, sur l'AME, hein, l'aide médicale aux étrangers. Enfin bon, c'est la totale, quoi, les ministres qui ne sont pas d'accord. Et on sent qu'ils cherchent comment obtenir les voix pour arriver à faire passer leur machin. Enfin bon, bon voilà. Actualité, quand même, on va parler de ce qui se passe à Saint-Pierre-de-Colombier, puisqu'à Saint-Pierre-de-Colombier, je me permets hein, de placer vite fait des brèves là sur ce qui est au local. Saint-Pierre-de-Colombier, ben, on voit que ça pédale dans la choucroute parce qu'ils ont repris les travaux. Les militants sont un petit peu fatigués parce qu'ils ont passé beaucoup de journées à essayer d'empêcher le chantier de continuer. En ce moment même, il y a une conférence de presse lundi à 6, ou aujourd'hui à 17h30, a commencé une conférence de presse sur l'état des lieux, avec le fait qu'entre autres, il y a trois interventions en justice. Une première sur une demande à juger le fait qu'il y a eu une destruction de l'habitat protégé, d'espèces protégées, avec une provision qui a été trouvée en 3 jours de 15 000 euros, quand même, excusez du peu. Ça montre la motivation des gens qui sont sur ce dossier. Hein. Il y a une deuxième action en justice au tribunal administratif sur le fond de l'histoire, et puis il y a un référé, normalement un référé, hein, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est quelque chose qui se fait tout de suite. Voilà, qui normalement arrête, oui. pour pas qu'il y ait d'abus ni dans un sens ni dans l'autre. Hein, c'est ça. Ça dépend de... Qu'il n'y ait pas, disons, la procédure habituelle qui est longue de la justice. Quoi. Et longue et nécessaire, souvent. Hein. Alors, à suivre, là, il va y avoir sans doute des appels à mobilisation à Privas pour aller devant la préfecture, et d'autres appels à aller à Saint-Pierre-de-Colombier à nouveau pour arrêter le chantier. Voilà. Donc j'ai essayé de faire court. On va faire un tout petit point sur la Palestine aussi, parce que, bon, voilà, il y a cette guerre qui est là. Et puis, il y a quelqu'un qui nous suit et qui demande est-ce qu'on soit plus clair sur la prise de position qu'on a pu avoir. Première chose, est-ce que tu peux nous passer cette fameuse chanson sur Gaza ? Fais pas ci, fais pas ça, fais pas tweet sur Gaza, ni TikTok, ni Insta, si tu veux faire du cinéma. Pas de solidarité, sinon t'es plus français. Ne déplore pas les morts ou t'as plus de ballon d'or. Fais pas ci, fais Gaza, adada prout prout cadet. Assieds-toi sur tes idées, parle des Palestiniens, t'iras pas chez Quotidien. Tu peux faire tes PMP, mais y'a Géraldine Maillet. Dis rien sur BFM, on dira que t'as la haine. Sur CNews, je t'en parle pas, ils vont te faire la hagra. Fais pas ci, fais Gaza, adada prout prout cadet. Assieds-toi sur tes idées. Si t'es un humoriste, fais gaffe à ce que tu dis. Si j'étais toi, je ferais des vannes sur les punaises de lit. Si tu soutiens Gaza, tu feras pas l'Olympia. Et tu seras jamais produit par Eddie Chouraki. Fais pas si fais Gaza, adada prout prout cadet. Assieds-toi sur tes idées. Si t'as un tacos chamas, paye l'électricité. Sinon tu peux te retrouver bêtement en GAV. T'as un resto libanais, toi aussi faut faire gaffe. Si tu dis mal le houmous et que tu dis le Hamas. Fais pas si fais Gaza, adada prout prout cadet. Assieds-toi sur tes idées. On t'a dit fais pas de zèle, critique pas Israël. Depuis qu'on a collaboré, on doit les protéger. T'emmerdes pas à réfléchir, on va dire ce que tu dois dire. C'est pas un génocide, c'est une défense légitime. Fais pas si fais Gaza, adada poupou de cadet. Assieds-toi sur tes idées, parle pas de Gaza. Parle pas de Gaza. Parle pas de Gaza. Parle pas de Gaza. Alors justement, on a parlé de Gaza, hein, et on a dit des choses, et tu avais commencé à nous parler des définitions, et c'est bien oui. que tu la rappelles encore. Ben définition. Oui, j'ai envie de la rappeler, parce que la dernière fois qu'on est venu, en fait, Israël n'avait pas commencé à bombarder Gaza, donc nous, on parlait de l'attaque du Hamas. Voilà. Alors tristement, le Hamas, on sait qu'il y avait 1400 morts du côté israélien. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, avant qu'il y en ait 15 000 du côté Gaza, de Gaza,
on n'arrêtera pas le conflit. Hein. Parce qu'en général, c'est 1 pour 10. Hein. Au moins 1 pour 10. Alors, et la dernière fois, du coup, j'avais lu la définition du crime de guerre, et c'est la définition de la Cour pénale internationale. Donc je vais vous la relire quand même, parce que quand je vous l'ai lu la dernière fois, c'était pour que chacun se fasse une opinion. Bah, je vous la relis encore pour que chacun se fasse une opinion. Parce que là, il y a des choses qui se sont passées. Hein, il y a des choses depuis entre-temps, 15 jours, voilà, hein. qui se sont passées. Donc le crime de guerre, selon la Cour pénale internationale, alors il y a 3 catégories. Des crimes commis contre les personnes et les biens protégés. Les personnes protégées, ce sont les civils et les personnes qui ne combattent plus, les soldats blessés, etc. Donc ceux qui ne participent pas. Donc je vous laisse réfléchir. Ensuite, le recours à certaines stratégies trop destructrices, comme bombarder des villes entières sans discrimination, affamer, empoisonner l'eau, ravager les cultures, etc., utiliser des boucliers humains. Certaines armes de guerre sont interdites, comme les armes chimiques bactériologiques, et les crimes commis contre les personnes et les biens spécialement protégés. Là, on parle du personnel médical, du personnel humanitaire, les hôpitaux, voilà. 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 Ça, c'est le crime de guerre. Voilà. Mmh. Alors, ça a le mérite d'être clair. Alors, moi, je trouve que tous ces sujets qu'on vient d'aborder, même si c'est l'actualité, en fait, c'est complètement des épiphénomènes autour de cette révolution libérale qu'on se subit. C'est-à-dire que tous les jours, le libéralisme va un petit peu plus loin et attaque un petit peu plus nos libertés. Parce qu'en fait, ce libéralisme, il a comme vocation à enrichir certains, appauvrir le reste du monde, en gros. Et en fait, il se trouve que l'effet secondaire, c'est qu'on n'a plus de liberté, quoi. Petit à petit, plus d'hôpitaux, plus d'écoles, enfin, tout se casse la gueule et... Et hardi petit, on continue comme ça. Et alors, par rapport à tout ça, eh ben, y a quand même un argument clé, un argument très très fort qui nous explique pourquoi il faut qu'on soit dans l'austérité. C'est que, mon pauvre monsieur, mais c'est la dette. La dette. Eh oui, la dette. Alors cette dette, souvent on nous en parle, hein, les politiques nous disent, eh oui, mais la dette, il va bien falloir la rembourser. Alors déjà, on peut se demander, mais de quel montant est cette dette? Alors c'est vrai que le montant peut être impressionnant. Au 29 septembre 2023, la dette publique était de 3046 milliards d'euros. Hein, et 90,90. Voilà. Le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire le travail hein, des gens, hein, de vous, de moi, représentait en 2021 2500 milliards d'euros. Donc en gros, tu nous expliques que la dette représente plus supérieure que, est supérieure que, à ce que l'on produit que dans une année en France. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et le montant de la dette privée, c'est-à-dire la dette, les prêts privés, hein, vous, moi et les autres. 4000 milliards d'euros, c'est-à-dire la dette privée est plus importante que la dette publique. Mais ça, sans arrêt, ils nous font des choux gras là, tous les jours en nous expliquant, tu sais, par rapport à l'immobilier, qu'on ne peut plus faire des emprunts parce que c'est, les taux d'intérêt ont explosé, ils sont passés de 1% à 5%. Là, oui, avec l'inflation, bon, il y a eu une augmentation des taux. Hein, bon, mais de toute façon... oui, mais par rapport à la dette publique, de toute façon, ça va pas changer grand chose, quoi. Ouais, hein, c'est disons au niveau des particuliers, ça. Les gens empruntent à un taux plus élevé, le loyer de l'argent est plus cher. C'est les banques qui s'y retrouvent, quoi. Hein, voilà. Parce qu'en fait, tu expliquais quand théoriquement c'était la dette publique. Normalement, il n'y avait pas de taux d'intérêt au départ, puisque c'était l'État qui prêtait. Alors au départ, oui, lorsque l'État empruntait à la Banque de France, alors au départ, disons, il faut dire, c'était avant Pompidou. Hein, ouais. Disons, après 1945, on va dire, il y a eu des grands travaux à réaliser. Hein, je dirais Ariane, le TGV, le nucléaire, tout ces, il fallait redresser la France. Et tout ceci a pu se faire... pratiquement en une génération, en 20 ans, hein, l'État empruntait à 0% à la Banque de France. Hein, c'est-à-dire l'État disait, bah, tiens, j'ai besoin d'argent.
Il demandait ça au Trésor. Le Trésor était en route, disons, en parlait à la Banque de France, et la Banque de France mettait la planche à billets en route. Ça coûtait rien. Hein. Ça paraît un peu fou, hein, parce qu'on a l'impression de jouer au Monopoly. Il disait, ben voilà, vous avez besoin de tant de milliards, les voilà. Et c'était 0%. Oui, mais normalement, on remboursait ça, théoriquement. Alors, en fait, on aurait dû rembourser, mais au bout, supposons que le prêt soit de 20 ou 30 ans, hein, eh bien, donc chaque année, rien ne se payait, alors qu'un particulier paye une mensualité, hein, avec des intérêts. Là, en fait, rien ne se payait, puisque c'était 0% d'intérêt. Et à la fin, lorsqu'on arrivait à l'échéance du crédit, l'État ne remboursait jamais, jamais sa dette. Hein. Et on disait qu'il réempruntait à nouveau, hein, à la Banque de France. Hein, et on disait qu'il roulait, on dit que l'État roule la dette. D'accord. Hein. Et à ce moment-là, tu avais des mecs très très à droite qui expliquaient que c'était un scandale que les Français ne payent pas leurs dettes, évidemment. Ben, ça a toujours été avant que les Français, alors en tant qu'individu, là, c'est autre chose. C'est d'ailleurs rappelé dans chaque crédit, lorsqu'on fait un crédit, il y a marqué qu'il y a bien l'obligation de rembourser. Donc l'État le rappelle peut-être, mais le banquier le rappelle aussi. Mais par contre, au niveau de l'État, l'État roule sa dette. C'est-à-dire à l'arrivée à l'échéance, il repart sur un nouveau crédit de même montant. Hein. Alors disons, de 45 à Pompidou, 73 à peu près, il me semble que c'est 73 comme Pompidou, ça, cette réforme. Voilà. Donc là, c'était 0%. Hein, donc on avait avantage à rester dans ce système. Mais il y a eu après des modifications et on a obligé le système libéral, disons, c'est... disons pénétrer les systèmes politiques, hein, et s'est imposé, hein, pour que les prêts de l'État se fassent au niveau des banques privées. Parce que Pompidou, c'était un banquier. Alors je ne sais pas si c'est un banquier. Il a travaillé à la banque. Il a peut-être travaillé à la banque. Ouais. Je crois que c'était un prof de philo, non, il me semble, ou un truc comme ça, non. Ah. Enfin, je ne sais plus, hein, mais peut-être qu'il a travaillé à une banque aussi. Hein, de toute façon, bon. On précisera la prochaine fois. Hein. On précisera. Mais il me semble qu'il était prof de philo ou de français. Je suis... Voilà. Donc voilà, au niveau de cette dette. Alors oui, c'était 0%, c'était la Banque mais de France. La grosse différence entre un particulier et un État, c'est que l'État, il est... Immortel. Il est immortel. Voilà. Voilà. C'est une bonne signature, quoi. De toute façon, un État fait pas faillite. Hein. Il y a toujours, en tous les cas, les impôts. Hein. Si les affaires vont mal, on augmente les impôts. Hein. Et la France a une signature particulièrement, disons, correcte. Hein. C'est pas la Grèce, hein. Mais la Grèce a été ruinée aussi par des choix politiques. Hein. Il faut pas oublier. Et on les a laissés tomber comme des vieilles chaussettes. Donc, la France, elle, par contre, est dans une position très différente. Elle a une signature très confortable. Donc on lui prête. Hein, les banques lui prêtent. Il n'y a aucun problème. Quoi. En 73, donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Puisque donc, la Banque de France n'est plus habilitée à faire les... Voilà, c'est une transformation. Disons, la transformation, c'est, je l'expliquais l'autre jour un petit peu par une montagne. En haut, on met... la Banque Centrale Européenne, hein, qui va tout piloter. Hein. Il y a plus, disons, dans chaque pays, les banques centrales telles qu'on les avait, nous, Banque de France, au niveau de... Hein. Bah, s'il y a la Banque Européenne à la place de la Banque voilà, de France, y a la tout, banque, tout va bien. Tout va bien. Et dessous, deuxième étage, disons, de la montagne, c'est les banques privées. C'est-à-dire, ce qui représente le système monétaire public, c'est la BCE. Et ce qui représente le système monétaire privé, ce sont les banques. Oui, mais ça ne fonctionne plus comme à l'époque où on pouvait faire l'emprunt avec la Banque de France. C'est-à-dire qu'on fait l'emprunt sur les banques privées. On n'emprunte pas la BCE. On n'emprunte pas la BCE. Voilà, mais par contre, la BCE, elle, peut créer de la monnaie. Elle en crée d'ailleurs de la monnaie. Et l'échange qui se fait entre les banques privées et la BCE, c'est pas du tout, disons, nos euros. Hein, ça n'a rien à voir. Mais il y a, disons, des règles. Lorsque la BCE imprime des billets, les banques vont pouvoir prêter au peuple de l'argent. Mais les banques ont le pouvoir de créer de la monnaie. Ça, on le sait rarement. Les banques ne prêtent pas l'argent qu'elles ont dans leur coffre. Hein. Elles prêtent l'argent qu'elles créent, qu'elles impriment. Hein. Donc elles disent à un particulier « on ne peut pas vous prêter », c'est soit que la personne, disons, n'a pas assez de revenus et que ça met en péril, disons, le remboursement du crédit par rapport à la banque. Hein. La banque voit son intérêt. Hein. Et donc,
Et donc, ces banques-là, elles mettent un taux d'intérêt. Elles mettent un taux d'intérêt, oui. Elles créent de la monnaie à partir de rien, ex nihilo, hein, à partir de rien du tout. Et par contre, elles ont un intérêt, oui, bien sûr. Bien sûr. Et l'intérêt sur la dette publique aujourd'hui, hein, je vous rappelle le montant de la dette publique qui est de 3 046 milliards d'euros. Eh bien, dans cette dette, si on était resté avec le système avant Pompidou qui s'appelait le système Bloch-Lenné, hein, c'était le nom d'un haut fonctionnaire, eh bien, nous aurions que 1 200 milliards d'euros. Donc, il y a 1 800 milliards d'euros d'intérêts. Qui sont d'intérêts. Voilà. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Oui, oui. C'est pour ça. Et de plus, il faut savoir que sur ces 1 200 milliards d'euros, la banque européenne rachète à peu près 25% de dettes aux banques. C'est-à-dire les banques, de temps en temps, ont envie de se faire rembourser du crédit. Elles vont taper donc à la porte. Et c'est pour ça qu'elles prêtent facilement à la France. Hein, parce qu'elles vont rendre, disons... C'est ça qu'elles ont une solution pour être remboursées. Voilà, elles ont moments. Une solution pour être remboursées. Donc si elles ont besoin, elles demandent à la BCE. La BCE, donc du système public monétaire, va imprimer de la même façon que les banques ont prêté à la France. Elles sont remboursées. Il y a à peu près 25% de la dette qui a déjà été racheté par la BCE. C'est-à-dire, si on fait tous les calculs, on se rend compte qu'il devrait nous rester à peu près 438 milliards d'euros de dettes, alors qu'on nous annonce 3 000. Ah oui, d'accord. Hein? Bon, jackpot. C'est le jackpot, oui. Alors, tout ça, c'est à des fins pour... disons à des fins tout à fait une idéologie pour défendre une idéologie post-libérale et pour favoriser le secteur privé au détriment de l'État et imposer l'austérité budgétaire. Donc, la conséquence, c'est donc de faire que nous, on se retrouve parce que ça a commencé en 83, hein, c'est le tournant de la rigueur, hein, et depuis 83, on est dans ce remboursement avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de chaque Français, en gros, en nous expliquant que chaque Français doit, je ne sais plus exactement, 40 et quelques mille euros. Ouais, oui. Et ça a d'ailleurs bien passé dans les esprits, parce que certains disent, mais on a aliéné des générations, une suite de générations, alors qu'en fait, on n'a aliéné personne, quoi. Et s'il y a une priorité, et aujourd'hui il y en a une, je pense, c'est le climat. Hein, donc il y a des grandes... Il y a des grandes, disons, décisions à prendre au niveau d'un État par rapport au changement climatique. Il n'y a pas de problème, il faut faire appel encore à l'emprunt et avoir un vrai programme. Hein. Donc par rapport à l'austérité, etc. C'est du bidon. Tout ça, c'est du bidon. C'est pour, on se rend bien compte aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a plus de médecins, on soigne ni les vieux ni les jeunes. Et les jeunes, on ne les cultive plus. Enfin bon, c'est parce que c'est des choix politiques. C'est des choix politiques. Est-ce que tu as à peu près fini Oui, à peu près. L'essentiel. Alors, s'il y a des questions par rapport à la dette qu'auraient nos auditeurs, qui ne se gênent pas. Vous pouvez adresser un mail à Fréquence 7. Hein, vous pouvez l'envoyer à contact@fréquence7.net. D'accord, ouais. Super. Et je répondrai à toutes les questions, quoi, d'une manière très précise. Hein. D'accord. Alors, Amalia, Amélie, tu avais plein de sujets et j'ai pas respecté l'ordre qu'on avait dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, j'ai mis un petit papier. Voilà. Alors, moi, c'est juste quelques brèves, des petites choses qui sont apparues comme ça et qui me semblaient intéressantes. Alors, une info d'abord. Le Club de Rome, on se souvient du Club de Rome, hein, oui, qui avait publié le fameux rapport Meadows, qui fait encore référence aujourd'hui. 73, je crois. Voilà, ça fait 50 ans. Oui. Hein, et qui fait encore référence aujourd'hui et qui s'avère juste parce que chaque jour qui passe confirme ce que le rapport avait dit. Je dirais malheureusement, il s'avère juste. Malheureusement. Alors, qu'est-ce que c'était le rapport? Alors, le rapport Meadows, tu veux savoir ce qu'était le rapport Meadows? Oui. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout développer. Non, mais consubstantiel. Alors, en gros, le rapport Meadows, il analyse. Oui, c'est des scientifiques. C'est des scientifiques. Denis et j'ai oublié le nom de sa femme, c'était Donella. Ouais. Denis et Donella Meadows. Ils ont étudié la relation entre le développement économique, le développement de la population et les limites de la planète.
Et les conclusions qu'ils en ont tirées à l'époque s'avèrent complètement justes. Et ils ont fait une suite de simulations, voilà. De la plus catastrophique à la plus douce. Hein, et il s'avère que, malheureusement, c'est plutôt la plus catastrophique qui... Voilà. Et donc, moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le club de Rome, il n'a jamais arrêté de travailler. Et donc, il vient de sortir un nouveau rapport. Hein. Ça s'appelle « La Terre pour tous » en français. Voilà. Donc, il est sorti là, le 4 octobre 2023. Et je trouve que c'est intéressant d'aller y jeter un œil. Moi, je l'ai commandé. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit retour. Oui, bien sûr. Voilà. La deuxième nouvelle, c'est une nouvelle qui m'a fait plaisir, donc on crache pas dessus, hein, par les temps oui, qui courent. Bien sûr. Donc, c'est le sommet des trois bassins. Donc, les trois bassins les plus riches en forêts primaires. Donc, ça se passe au Congo, ça se passe en Amérique centrale et ça se passe en Asie. Donc, les pays de ces trois zones se sont réunis avec l'ONU, avec des scientifiques et avec des peuples premiers qui vivent dans ces zones, pour essayer de réfléchir, savoir comment on peut sauver ces forêts primaires. Donc voilà, je trouvais que ça valait le coup d'en parler. Et donc ils se sont réunis à Brazzaville. Ils se sont réunis à Brazzaville, voilà. Hein. Ça a été un sommet. J'ai pas mes bonnes lunettes, évidemment. voilà, qui s'est tenu du 26 au 28 octobre. Et puis tu avais une troisième brève. J'avais une troisième brève. Donc je voulais vous parler de la prochaine COP 28. Déjà 28, rien que ça, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer, tu vois. Ouais. Et oui, donc, parce que le numéro 28, oui. C'est-à-dire ça fait 28 fois qu'on remet le truc sur le, hein, en disant on va faire quelque chose. C'est ça. Et donc, la prochaine COP 28, elle se passe dans un pays qui est, comment dire, l'archétype de la tempérance, oui. De la sobriété, oui. De l'humilité. Eh bien, bien sûr, c'est le fer de lance de l'environnement. On n'en a jamais douté. Donc ça se passe aux Émirats Arabes Unis. Bah oui. Voilà. Et dont à Dubaï. Dont l'acronyme est E-A-U. E-A-U. Comme l'eau, quoi. Hein, voilà. Donc là, voilà. On est sauvés. Ça va se passer du 30 novembre au 12 décembre et cerise sur le gâteau. Elle sera présidée, cette COP, par le sultan Al-Jaber. Tu connaissais ? Non ? Non, je ne connais pas. Moi non plus, je ne le connais pas personnellement. On mange avec lui tous les jours. Et donc, ce président, il est PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi. C'est un magnat du pétrole. Donc on imagine voilà. Bien qu'il va tout remettre en question. Ah oui, oui, oui avec hein. Lui, on est tranquille. Mais bon, ouais. Moi, tout ça, ça m'a quand même fait penser à ce qui se passe chez nous. Et où on en est chez nous aussi. Donc, Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Mmh. Et moi, je l'adore. Voilà, on adore la bagnole. Et on le prouve, n'est-ce pas ? Avec l'autoroute A69, par exemple, avec le tunnel Lyon-Turin, etc. Donc, voilà. Comment dire ? On passe au prochain sujet. Et tu avais encore un dernier truc ? J'avais un dernier truc, parce que figure-toi, mon cher Michel, mais je ne sais pas si on va avoir le temps. Si, il nous reste on a le temps ? Toute petite minute. Hein. Voilà. Alors, Macron est le président des riches. Tu savais ça ? Ah mais non, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était le président de tous les Français. Et donc là, maintenant, ça y est, c'est sûr, on en est sûr, parce que... France Stratégie, qui est placée sous l'égide du Premier ministre et qui est donc une institution publique, vient de publier un rapport qui le dit clairement. France Stratégie, donc, organisme public. Hein, organisme public, voilà. Il y a eu déjà d'autres rapports qui en parlaient, mais qui ont toujours été un peu dénigrés. Mais là, ça va être difficile de dénigrer. On ne peut plus en douter. On ne peut plus en douter, voilà. Donc, c'est juste les conclusions du rapport, c'est que la politique économique et surtout fiscale de Macron, avec tous les cadeaux qui sont faits aux riches, etc., n'apporte rien parce que les riches ne réinvestissent pas cet argent dans l'économie réelle et coûte un pognon de dingue. À l'État. Mais c'est une révolution par rapport à notre émission. Voilà. T'aurais dû prévenir que t'allais dire ça, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on essaie de dire à chaque fois. Bon. Allez, bon courage. Allez, à bientôt.